سنخط رحلنا اليوم بفرنسا لنسلط الضوء على مهاجرة مغربية مبدعة نشأت جميلة وسط جو عائلي تسوده التقاليد المغربية والحفاظ على اللغة الأصلية. مسارها الدراسي انصب في البداية على المحاسبة لتنتقل بعدها لدراسة القانون وتشتغل بمكتبة حيث تهتم بكل ما هو إداري. Je suis Jamila Habitat. Nous sommes donc ici à la bibliothèque discothèque de Cachan. Donc c'est dans le Val-de-Marne. Je suis donc poète, née à Marrakech. Je suis arrivée en France en 1975, en avril 75. Donc effectivement, là on peut parler d'un premier choc territorial et climatique, puisque quand on est arrivé, il y avait beaucoup de neige. Donc j'ai grandi ici, j'ai fait mes études. Donc à la maison, c'était le dialecte, le berbère, et à l'école, c'était donc le français. Qui ne s'arrache la langue d'une langue que personne ne comprend? Qui ne comprend toujours pas la langue parlée? Donc c'est une devinette qui émerveille l'enfant, qui continue de penser la langue maternelle, intelligence qui le rend fou et qui rend le jeu amusant. Donc, nous avons grandi ainsi, avec cette double culture. Et donc j'ai fait des études de comptabilité dans un premier temps. Donc j'ai eu un CAP employé de comptabilité. Ensuite, j'ai fait une capacité en droit. Et puis un premier cycle de TUC de droit. J'ai travaillé juste après à l'UNESCO en tant que commis de documents. Ensuite, je suis rentrée à la bibliothèque. Donc pour moi, c'était une aubaine parce que je reste dans le milieu des livres. Et je suis là depuis 13 ans. Je m'occupe de tout ce qui est administratif, hein, donc bon de commande, facturation, etc., gestion administrative. Mon travail poétique parallèlement à ce travail administratif. Ma relation donc avec l'écriture, comment j'en suis arrivée à l'écriture. L'écriture d'abord c'était par nécessité, un peu pour rompre avec l'exil. Donc je suis arrivée ici à l'âge de 7 ans, mes frères étaient restés au pays, et un peu comme une rédaction, j'écrivais des lettres, etc. Et petit à petit ça s'est transformé un peu en prose, donc jusqu'à l'épuration vraiment du texte pour en faire un poème. Voilà, donc j'ai essayé... Je suis rentrée dans la poésie vraiment par nécessité. J'ai publié 4 recueils. Le premier recueil, c'est L'aube sous les dunes. Donc c'est un recueil qui date depuis maintenant presque 13 ans. Ça parle beaucoup de non-dits. C'est-à-dire que c'est un premier essai pour dire des choses qui me tiennent à cœur. Mais bon, voilà, il y a toujours une recherche du beau, la recherche... pour dire les choses, mais avec poésie, enfin avec il y a beaucoup d'images, c'est-à-dire que les choses ne sont pas très, c'est pas une écriture lucide comme ça qu'on peut comprendre à la première lecture. Voilà, donc pour parler des pluies attendues et de l'ambre qui sommeille dans la grâce accordée, l'espoir de retrouver nos armes dans les poches des poètes et des artistes oublié dans l'oubli. Regard rêveur qui s'éteint en mai, au printemps déjà pleuré. L'oracle des Fellah, c'est un recueil qui, en fait, rend hommage aux personnes qui travaillent la terre, les personnes qui sont proches de la terre. Je l'ai fait en 2002, donc 2 ans après le premier. Les épaves s'étendent derrière les traits écaillés de raison, d'argent, d'hommes, d'art, du feu jaillissant, vain de ne point voir les aquarelles décupler leur savoir sur le bord d'étoiles. Abandonne le monde, mets le sort des vivants à l'ombre des palmiers. Recueil
à Marrakech derrière la Koutoubia et donc est publié aux éditions Alphabar. Il est sorti donc en février 2012. Il y a des poèmes qui ne sont pas seulement sur la ville, qui ont d'autres portées aussi. Je voudrais retrouver ma ville rouge, sa verdure, ses champs d'empreintes de sang partagé. Je voudrais me cacher derrière la Koutoubia et sentir Jemaa el-Fna veiller sur Marrakech. À mon sommeil défendu, c'est le néant accompli. Aussi loin que ma mémoire disparaît, le rêve d'un poème réussi. Aussi loin que mes rêves réussis, la splendeur d'une vie sans histoire. Une présentation du Bleu Infini est un recueil qui est paru en 2011. Donc ça parle essentiellement de la lumière. Bon, comme le titre le dit, c'est le bleu infini. Le poème, dans sa robe informelle, nous fait revenir sur le corps des syllabes, vers le mot, vers la lumière qui défile sans fin. L'inspiration, elle est dans les hommes nés, les hommes vivants, les hommes qui sont morts, la vie, la nature, voilà, les gens que je rencontre, mes lectures, mes peines, mes joies. C'est un peu nous aussi, combien même ça, lorsque ça devient un poème, ça nous dépasse, mais à l'origine, c'est quand même du vécu. Beaucoup de vécu, beaucoup de choses que l'on voit. Et le Maroc est pour cela très, très, très inspirateur. Enfin, je veux dire, c'est le pays des mille et une nuits par excellence, le plus accessible et le plus insaisissable en même temps. C'est-à-dire que le Maroc, par ses couleurs, par sa passion aussi, par tout ce qu'il est, sa lumière, est déjà une toile pour le poète. Je suis donc une amie de Jamila Abitar. Je m'appelle Fadela Chaïm Alami. Donc, je suis algérienne avec des racines aussi marocaines. Et j'ai rencontré Jamila Abitar il y a plusieurs mois de cela. Et sa poésie m'a beaucoup interpellée. De ce fait, je sais que bon, là, je m'intéresse beaucoup à ce qu'elle écrit, à ce qu'elle fait. En tant que poétesse et en tant que journaliste aussi. J'aimerais qu'elle soit connue au Maroc un peu plus, qu'elle soit dans des rencontres littéraires. J'aimerais bien la voir dans la fameuse librairie des colonnes de Tanger. Je pense qu'elle a vraiment sa place. Elle a sa place et le Maroc n'a qu'à s'en féliciter parce que le fait que même si elle vit en France, ça n'a pas changé, disons, sa texture. Cette hadir rouh, comme on dit en arabe, rouh, maghribi. Je suis née donc à Marrakech, hein. j'ai gardé un lien fort puisque mes frères sont encore là-bas. Et en fait, nous sommes originaires de Ouarzazate, donc Aït Ben Haddou, donc à 20 km de Ouarzazate, Asfalou. Et puis mon papa du côté de Telouette, donc Touracine, c'est un peu plus dans les montagnes aussi. Et donc nous pratiquons la langue berbère, bien sûr, Tachelhit, et puis le dialecte Darija, voilà. Le Maroc d'aujourd'hui, je pense que, écoutez, il y a une belle évolution. Hein, je veux dire, il y a beaucoup de choses au niveau associatif, qui ont avancé. C'est-à-dire que peut-être que nous avons encore du travail sur des plans, mais en règle générale, on se porte pas plus mal au Maroc qu'ailleurs. C'est au contraire, je pense que parfois même c'est un modèle pour certains problèmes politiques et autres. Il devrait au moins regarder comment ça se passe au Maroc pour pouvoir l'appliquer ailleurs. Nous avons des choses quand même, que des leçons à donner aussi, je pense. Même si nous avons beaucoup de travail à faire, nous avons aussi de belles choses. Ce que m'apporte la double culture,
elle m'apporte un dépassement. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait cette terre d'accueil. Ensuite, moi, je suis arrivée, comme je vous dis, à l'âge de 7 ans. Donc, il a fallu faire une conciliation entre ces deux cultures. Hein, je parlais une autre langue, j'avais une autre religion. Enfin, j'ai toujours la même religion, mais je veux dire, on arrive avec un patrimoine et puis on se rend compte qu'ailleurs, ça se passe autrement. Donc, il a fallu concilier les deux. Ça n'a pas été une grosse difficulté parce que à la maison on parlait l'arabe, le dialecte, on vivait à la marocaine, on vit à la marocaine, et à l'extérieur, à l'école, on nous enseignait d'autres choses. Les choses se sont faites naturellement, et je dois dire qu'avec la poésie, ça m'a permis effectivement de rechercher autre chose, une troisième terre, une troisième langue. C'est-à-dire qu'il a fallu concilier les deux et en faire autre chose. Et cette autre chose, c'est le poème qui le dit aujourd'hui. J'aimerais saluer donc mes parents d'abord, ma famille, mes frères restés à Marrakech, Dadahem, Hamadi, et puis les gens qui sont à Itbel Hedo, Asfalo et Tourassine.